sommes dans le 17e, à un chantier de Frédéric Sicard, architecte. On a repris les chantiers depuis maintenant plus de 2 semaines. Nous avons suivi une formation par l'OPP-BTP qui nous a permis très rapidement de démarrer les chantiers. La formation nous a permis de passer en revue un peu toutes les préconisations du guide de l'OPP-BTP et de faire comprendre aux compagnons l'importance qu'avait le respect des règles. Nous avons un référent Covid qui est Igor. Il a à sa disposition un kit avec lingette, savon, masque bien sûr, gel et essuie-main. Parallèlement, nous avons préparé aussi un kit pour chaque compagnon. On rattrape un peu les jambes. Et là, c'est juste qu'ils ont abîmé un peu là par là. C'est vrai que nos compagnons sont formés à porter des masques, hein, puisque pour les risques de poussière, on leur fournit régulièrement des masques, donc ils en portent. Maintenant, en permanence, c'est beaucoup plus contraignant. Donc on les autorise, lorsqu'ils travaillent tout seuls dans une pièce, à ne pas porter un masque. L'entreprise nous a fourni des masques FFP3 et FFP2. Le chantier est grand, on peut travailler chacun dans une pièce ou suffisamment à l'écart les uns des autres sans que ça pose aucun problème. On a adapté les chantiers en fonction de la situation, zone de stockage, zone d'habillement, endroit pour déjeuner en respectant les distances à chaque fois de sécurité. On constate que nos compagnons se sont très bien adaptés à la situation. Malgré tout, on a un impact économique puisqu'il y a le coût des masques, le coût du gel et désinfecter les locaux régulièrement, se laver les mains régulièrement, il y a une perte de production. La différence entre avant et maintenant, on est obligé de faire attention déjà à soi-même, attention à nos collègues et de prendre plus de précautions, de distance, de s'organiser différemment par rapport au travail. Ça devient naturellement aujourd'hui. Non, je suis même content d'avoir repris le travail.